Thank you Bonsoir, bonsoir. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. La... la petite créature est couchée. Puis bah, du coup, on va se faire du Pokémon. Par contre, j'ai pas trop fait gaffe. Je dirais que c'était hier soir déjà Pokémon. En enfin, bref, ouais, j'essaye de faire tourner quand même euh, habituellement du matin au soir ou des trucs comme ça, mais euh, j'ai pas grande euh, idée de mon emploi du temps, <laughs> un peu au jour le jour. Alors, on en était. Ok. Ah oui, voilà, c'est ça. On va euh, direction euh, Mesclamora. Pour l'arène de type normal. Alors on est là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de raid sympa dans le coin. Qu'on on va faire un peu le tour quand même, attraper les Pokémon. Oh, un Zorua. En fait, ça se trouve, j'en ai déjà eu un, j'ai oublié de... de regarder avec la super gâchette. <laughs> ils ont tellement pas l'habitude que les Zorua ils soient dans la forme normale. Donc j'en ai déjà eu un. Et c'est quoi derrière moi Ah bah c'est moi. Très bien. Voilà, meurt. Rip. Donc on a quoi On a un simularbre. Balignon, j'en ai déjà. Simularbre, non. Trompignon, oui. Mince, le simularbre, le simularbre il se barre. Fichtre! Il s'est barré complet! Ça va qu'il y en avait un autre à côté, mais. Oh, ce cronigneux. Enfin, C'est pas un simulabre L'arbre. Ah, je suis pas contente! Sérieux! ma euh... guess. Enfin. Oh, un colossinge! Mais il se barre en courant, donc potentiellement. C'est un Zorua. Non, c'est bon Très bien. Colossinge. Très bien. Euh... Je pense que feu, normalement, il devrait pas trop craindre, mais c'est une grosse attaque. Allez, on va essayer. Au pire, il meurt, il meurt. Parfait Gardevoir augmente son attaque mais devient confus. On va essayer d'attraper le singe. Yeah Je suis même pas sûre d'avoir un féroce singe. On verra dans le Pokédex. Il devient fou furieux s'il se sent observé et pourchasse tout être qui croise son regard. Donc j'ai déjà un ferro singe. Et leur évolution, elle est tellement moche. Alors est-ce que ça, ça va être un simularbre Mais. Ok, il avait déjà disparu. Ah bravo Donc Balignon, j'ai... Qu'est-ce que c'est que ça Ah, un Brésil Petit Vivaldin, un petit Vigoroth. On est où bon, on va... Ah, mais non, mais je descends là. Je vais réussir à ouvrir ma carte un jour. Bon, ben on va aller se faire le raid. Hein. Petit Vivaldin. Il me restait des objets là-bas. Tout ça, on a eu... Un dodo à voilà. la... Là Là-bas, il y a un similarbre. Dis-moi que c'est un similarbre. Yeah eh Voilà, un petit coup de feu ensorcelé, pas très efficace. Parce que oui, Simularbre, il est de type roche. Qu'est-ce que c'est, l'arme à l'œil Baisse mon attaque, ok. Ce n'est pas très efficace. Euh, peut-être. Ouais, non, si, allez, une dernière. Et salut, hard Gamer! Comment ça va? Oui, bah, prends feu en s'harceler si ça t'amuse. Passe une bonne journée, un bon début de semaine. Oh, ce Eh ben, ça va, l'abominable créature est couchée. Un peu chaos, mais ça va. Et je sais pas comment est-ce que je stream des ongles. Alors, simule arbre. Bien qu'il fasse semblant d'être un arbre, par sa composition, il semble plus proche d'un minéral que d'un végétal. si j'ai déjà eu un corner. Corn... Sinon, il attrape les objets aussi. Oh j'avais pas vu que c'était que c'était pentu. Il est raide là-bas. Oh, mais je suis aveugle. Oh, c'est l'évolution. Je ne comprends pas ce qu'est cet émoji. Alors, Chevroom. Niveau 32. Très bien. Aïe. Bah oui il se blesse. C'est le jeu ma pauvre lucette. Non Mais non mais il aurait pas fallu l'éviter Comme ça au moins ça lui aurait fait mal Sinon il va falloir que je sorte mon, mon scalpion Fichtre Bon, bah on va sortir Scalpion, hein. Bon, et demain, normalement, je suis là à partir de 10h30, je pense à peu près. Parce que j'ai kiné à 9h. J'ai la flemme. <laughs> va me faire faire des exercices pour mes épaules. D'où il se soigne Non, mais sérieux. Oh là là, ce n'est pas très efficace. Ou ça ça va taper. Ah ben bah non, c'est pas très efficace non plus, très bien. Voilà. Oh non, sérieux. Je m'enquiquine. A dû baisser ses points de vie. Ouh, ça me saoule. On va utiliser une hyperbole et espérer que ça passe. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'attraper tous les Pokémon C'est ça surtout la grande question. <laughs> Ouh là là, c'est super efficace. Allez, laisse-toi attraper. Yeah En fait, suffisait de demander. Et nous avons attrapé Chevroom. Il peut ressentir les émotions de ses adversaires en les touchant avec ses cornes. Il aide les êtres humains dans leurs travaux depuis 5000 ans. Super. Bah lui par contre il va se prendre un coup de feu ensorcelé. T'inquiète. Rip. Même pas mort du premier coup. Pauvre petit garde-voire là qui avait rien demandé. Alors, on va soigner les copains. Ils ont dit qu'il fallait aller dans le Pokédex. J'ai une récompense. Eh Ils sont combien 392. Mais pas encore à la moitié. Il y a encore du taf, moi je vous le dis. Je sais pas si j'en ai déjà eu un déjà de mâle de Fragro. Tout, tout, tout. Alors ils sont au début normalement. Ouais, j'ai déjà les deux. Très bien. Alors, un petit combat de type spectre. Oh, un tout-doudou Allons-y. Allons-y avec garde-voir. Parfait. Euh, tout, tout, tout. J'en étais. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder. Yeah. Un petit tout doudou de type spectre. Faisons l'arsen. J'ai pas regardé c'était quel. Euh... Ok. va être un raid de niveau 1 ou 2 peut-être. Mais qu'il est mignon il y a le soir qui tombe j'ai un vieux courant d'air de ma fenêtre fermée pour dire qu'on les a changés l'année dernière ça caille yeah on a attrapé tout 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 c'était bien un petit raid de niveau 1 Je vais peut-être pas faire très long feu ce soir, je vous avoue. Son corps mou dégage un parfum sucré. Quand il commence à rebondir, on ne peut plus l'arrêter. Donc nous sommes là. Moi j'irai bien à ce lac là, et après on va là-bas. C'est parti. On vole Vous avez vu On vole On ne le plus. Il y avait un objet. Un des petits Vivaldins. C'est lui le plus mignon des Pokémon. J'espère qu'elle parle de Togepi. Il suffit d'un peu de bon sens pour réaliser que c'est lui le plus mignon. Mais mes amis se font semblant de ne pas comprendre. Ça va être un truc super moche, je sens. Natacha, l'étudiante, veut se battre. Et elle envoie un d'Eden. Non, j'avoue, il est minus. Ok, il est mignon. Il est presque mort, mais il est mignon. Ah non. Il se charge en électricité. Et il est mort. J'ai perdu, mais pour moi l'essentiel c'est que tu comprennes que Deden est trop mignon. Trompignon, balignon. C'est lui le plus mignon. Sérieux, ils font tous la, la chasse au plus mignon. Je suis sûre que tu veux savoir qui est le plus mignon de tous les Pokémon. Denise, la musicienne veut se battre. Pomote, moui. Je le classerai pas dans les plus mignons. Mais il est mignon. Et il est mort! J'ai pas regardé. Elle avait de Pokémon. Ok, elle avait un Pokémon. Laisse-moi t'expliquer pourquoi Pomote est aussi mini. Quoi? J'ai perdu? Alors, simul'arbre en gourmand, gna gna gna. C'est un mu. Mubule. Mucuscule. Muscule Muscule, mucuscule. Non, donc lui, c'est mucuscule. Très bien. Il est niveau 29. On va faire feu ensorcelé. Normalement, ça devrait pas lui faire trop mal. Ok, ouais, ça lui fait carrément pas mal. Je sais plus en quoi il évolue, mucuscule. Il y a muscule, machin et drap. Pichtre. Pokédex, okay, c'est mon ami. Ah. Mucuscule. On va faire une dernière attaque. C'est un, un Pokémon de type dragon, déjà. Sixième génération. Il évolue en Colimucus qui évolue en muplodocus. Ouais, tu as une forme de issuie Mais... Oh, j'avais jamais vu que c'était pas le même dans Arceus ils se ressemblent tellement, je vois pas la différence. Ah eh oui, parce que mucuscule c'est le même. Ok, c'est colimucus qui change un peu, mais sans plus quoi. Ok. Ok. On apprend tous les jours. oui, effectivement, il y en a pas mal à Issui dans Arceus. Je n'avais jamais vu que c'était pas le, le, celui de Dab. Après, Zorua aussi, il est différent dans Arceus. Il est blanc, il est trop beau. Oh, Fichtre. Je vais appeler Scalpion. Viens taper dessus. Ça lui fera les pieds. Bon, du coup, hard gamer, on t'a perdu. Ce n'est pas très efficace. Attaque fauchage. Ce n'est pas très efficace. Voilà, il lui reste un point de vie, peut-être. What? Et en plus, il utilise abri. Oh, il y a un insécateur derrière. Mais il lui reste un seul point de vie. Et niveau 29, ça va, c'est pas non plus. Euh... Allez. Ah bah, enfin. C'est pas dommage. Donc nous avons attrapé mucuscule. Son corps est principalement composé d'eau. Il est entièrement recouvert d'une membrane qui l'empêche de sécher. Très bien. On va soigner gardevoir. Elle est choper un sécateur. Bonjour monsieur. Vous marinez chez vos harangs il est niveau combien 28. Oh OK. Il va se blesser dans sa confusion. Je vais avoir le seum. Non, ça va. Ça va, il est pas mort. Mais il est prêt à tout donner. toi attraper, laisse-moi tranquille. Voilà. Mais Non, mais il va se, il va se faire un croche-patte à lui-même, il va mourir, ça va m'agacer. Non, ça va, OK. Ce serait moi qui suis déconnecté. Fichtre. Mais il est plus confus du coup. Il s'est déconfusionné euh, tout seul comme un grand. Piouf Et hop, on a attrapé un sécateur de la première génération. Il fauche les herbes avec ses lames acérées. Ses mouvements sont si rapides qu'ils sont imperceptibles à, à l'œil nu. Donc, on a des balignons. Oh, des pachirizous. J'en ai jamais eu, ok. Lui aussi, il y en a pas mal dans Arceus. Euh, type électrique, je pense que ça va le tuer. Je pense que Rafale Psy, ça va le tuer. Même pas, ok. Oh non, il m'a paralysé. Oh, ce Il m'a paralysé mon carte voir. Yeah. Je sais pas si vous avez le son de la Switch. Ah bah non. Pashirizu fait partie des Pokémon aux joues électriques. Il libère l'énergie qu'il accumule par la queue. Regardez. Enfin, je vais essayer d'écouter si le son est bon. Alors clairement, vous n'avez pas le son de la switch. Alors, pourquoi vous n'avez pas le son de la switch Ouais, toujours rien. Hein. Ok. Euh... Bah, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas le son de la switch. Voilà. <laughs> Et on est content. J'espère que ça va pas trop vous... vous repousser. Pour la peine. On va voir qui on a attrapé dans le coin. Qu'un sous lourdeau, j'en ai déjà eu. Ah, là on a un petit mordu d'or. Un petit barloche. J'en ai déjà eu un. Balignon. Simularbre. Bah voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Bah attends, Simularbre, je veux pas t'attraper. On est pas mal. Mais non, mais je veux regarder la map. Et C'est moi ouvrir la map. Ah, il y a des verres pommes normalement. Il part de là le chemin, ok. Rondoudou, est-ce qu'on en a déjà Oui. Charbamba, on en a déjà. Oui. déjà. Dodoala. Ils sont mignons les dodo à quand même. Hop Oui Non, lui, on en a déjà un. Bon, bah ok, hein, là je pense qu'on a fait pas mal le tour. Trompignon, cornèbre. Pikachu, j'en ai déjà, ouais. Il y a des baies qui traînent de partout. Qu'est-ce que c'est que ça Oh, un déden Mais qui il est mignon Fichtre. Je suis toujours paralysé. Il va faire l'arsen. Mais du coup, il est quel type d'Eden? Prendre... Ce n'est pas très efficace. Euh, Peut-être on va faire Ralph psy, du coup, mais ça va le tuer en fait. Alors... Il est pas mort. Ah non. C'est ça, électrique et fait. Il est de la sixième génération. Il n'y a pas d'évolution. Oh, il y a des beaux de rive là-bas. Son corps étant petit et son organe générateur d'électricité peu développé, il se recharge en aspirant l'électricité des maisons avec sa queue. Bien. Puis on va soigner la paralysie quand même. Antipara. Voilà. Vaudrive. ouais j'en ai déjà eu. Bossy. Oh un évoli Après les évoli il m'en faut plusieurs en théorie niveau 30 quand même. Oui Mais enfin Les autres, ils étaient niveau 28, ils mouraient pas. Et là l'évoli niveau 30, il est mort. où j'en ai déjà... Ah un petit persian. L Évolution de miaous euh, Mais du coup, si je fais Raphaël Psy, elle, il va mourir aussi. Ouais. Oui, bon bah on fait pas toujours les bons choix dans la vie. Qui c'est qui m'attaque derrière Je lui en pose des questions à Rondoudou. Merci, au revoir. Sinon, on peut aller au cratère de Paldea. Il y a un laisse tomber là-haut qui a un joli glitch. Chaos Voltorb. Oh, un gros drive. Est-ce que j'ai déjà eu un gros? Alors je vais choper les objets. Là, on a un Vigoroth, un petit d'Eden. Mais je suis passé à un mètre sérieux. Bah ben oui, et Baudrive du coup, il va disparaître. Mince. Ok. C'était pas ce que je voulais faire, mais ça a marché comme je voulais. Bonjour Crowdrive. Il y a plein d'évolutions. Euh, oui, mais fauchage, ça va rien lui faire, à lui. Donc, euh, on va essayer une hyperbole. Fichtre. Parce ce que... Euh, il va craindre vachement euh, le type psy, non Ah, peut-être pas. Non, c'est bon. Ouais. C'est super efficace. Meurs pas. Hein. Meurs pas. Je serais un peu triste. Mais... Ah, ça y était presque. Qu'est-ce qu'il avale Récupère des PV. Oh, scrogneux. -Yes. Scrogneux. Ça m'agace. Que je voudrais pas le tuer. Fauchage lui fera pas de dégâts. Je me rappelle plus ce qui lui fera mal parce que je pense que Raphaël Petit. Bon, allez, on réessaye. Voilà. Bravo. Et bien avancé maintenant. On a plein de beaux drives, j'ai vu un persian là. Oh, un métamorphe J'en ai déjà un. Je suis un peu triste parce que je voulais un persian quand même. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça Ah, un petit évolué. Là, il y en a plein des évolués, on va pas s'en kikiner. Il y a plein de persians. Après il est niveau 33, celui-là, peut-être euh, je le tuerai pas en un seul coup. Je croyais il allait se laisser attraper du premier coup. Ouh là là. J'ai un peu la flemme de sortir scalpion et tout, on va mettre une hyperbole. Bon bah ben on va changer de de Pokémon, on va récupérer Scalpion Toucher trois fois. Vas-y Scalpion, yes Scalpion, Scalpion. En vrai, c'est utile fauchage. Quand ton Pokémon il a 30 ou 40 niveaux de plus que les Pokémon que tu d'attraper, ça tu fais un coup fauchage, un coup tu l'attrapes et c'est réglé. Super, il a été provoqué, il répond à la provoque. Je me rappelle plus ce que ça fait. Ah oui, ok. Ah bah non. Je pensais que ça continuait mes attaques. Yeah Nous avons attrompé, attrapé Persian, l'évolution de Miaouss. Sa magnifique fourrure suscite l'admiration, mais il est difficile à apprivoiser en raison de son caractère rétif. Tadam. Très bien, Persian en a eu, Miaouss en a eu. Cornèbre. et le mont napé voilà ah le tunnel là il passe là en dessous ça apparaît là ça c'est le mont napé mais nous on va pas monter tout de suite on va peut-être se faire cette ville d'abord Qu'est-ce que c'est que ça? Un évoli. Il y en a de partout des évoli ici. Qui s'y connaît en combat? Vous avez réussi à vaincre deux dresseurs de la zone ouest. Une fois que vous aurez réussi à battre cinq dresseurs au total, vous aurez droit à une splendide récompense. Faudra que je fasse le tour parce que j'ai pas été très euh, exhaustive dans mes recherches. Je pense qu'il y a plein d'endroits où j'ai pas allé, où j'ai loupé plein de, plein de combats. Je voudrais soigner mes Pokémon. L'équipe a retrouver la santé. Hop. Acheter. Voilà en PL. Mais regardez euh, où est-ce qu'on Je ne me rappelle jamais, je vais regarder à chaque stream. Hop, Rapid Ball dans Poké... Achetable dans toutes les boutiques Pokémon après avoir obtenu 6 badges. Et donc j'en ai 4 ou 5, je sais plus. Et les hyperballs, du coup. Hyperball dans Pokémon écarlate. Après avoir obtenu 5 badges. Ouh Donc, bientôt en fait. Parce que là, normalement, j'en ai quatre badges. Euh, elle va être où ma carte dresseur Je sais jamais où on la retrouve. Fichtre dans Poké Non, je pense pas. Euh, dans le tout, on sauvegarde. Oh. Oh. Normalement, j'ai une carte dresseur. Bon bah je sais pas. Oh, c'est fou ça. Bref. Ah oui, c'est là la carte dresseur. Et donc normalement, je dois pouvoir avoir le nombre de badges. Badge obtenu 11. Super, ça m'aide pas du tout. <laughs> ça m'aide pas du tout. Je veux la map est retournée en arrière. Ah oh, punaise, mais un... Ça a pris un million d'années pour voir euh, qu'on des... allait bien avoir le cinquième. Désolée, hein. c'était pas ouf. Oh, un... ah ben non, je croyais que c'était un levénard, mais non. Point du tout. Qu'est-ce que c'est Ouais, c'est un resto. Là, on va se visiter vite fait la ville. Passe pas là, là c'est la reine on va faire un peu le tour pour voilà graine psychique ok on a un petit amphithéâtre Resto, qu'est-ce qu'il veut Mon petit doigt me dit que tes Pokémon veulent se faire un festin dans notre établissement. Voilà. Resto, resto, resto. Resto, resto, resto. Non mais ça va. Tête. Il n'y a que des restos en fait dans ce... Cette... Je voudrais zoomer un peu la carte. Il y a des restos et des restos. Ah oui, si, il y a un conservatoire. Après, euh, je fais pas de sandwich. En soi, ça n'a pas grand intérêt non plus. Bref, euh, donc on va aller à l'arène. Ça fait vraiment bizarre, quoi, les gros bâtiments. Ah, il y en a sur le toit. Il y a des trucs sur le toit. Les énormes bâtiments. Alors que. Enfin, euh, après le rester dans la pas? De salle de ambiances. Amélie ah, attend. Je t'ai vu entrer dans cette arène, alors j'ai voulu, j'ai couru pour te rattraper. Je suis désolée, on n'a pas pu se battre la dernière fois. Mais va pas croire que je t'ai suivi juste parce que je voulais t'affronter. Rien à voir. Même si ça me tente bien de me battre contre toi. Ça te dit Bah oui. Pas Super, ça me fait trop plaisir. Hmm, il faudrait que je choisisse des Pokémon qui sont à ton niveau. Tu peux me laisser un peu de temps pour réfléchir T'as qu'à en profiter pour t'attaquer à la reine. Elle arrête pas de, de se défiler à chaque fois, c'est agaçant. Bienvenue à la reine de Mesclamora. Comme pour tous les challengers, je vais devoir d'abord noter votre nom. Vous êtes Amélie, n'est-ce pas Très bien, voilà qui est fait. Afin de pouvoir affronter notre champion au Kuba, vous devrez tout d'abord réussir l'examen de la reine. Vous vous demandez sûrement en quoi il consiste. C'est simple, pour réussir l'examen, il suffit de commander le plat secret du menu. Vous devrez trouver de quel plat il s'agit grâce à des indices et le commander au Trésor Culinaire, l'établissement phare de Mesclamora. À l'heure actuelle, il y a trois autres Challengers en train de passer l'examen dans la ville. Ils détiennent tous un indice différent au sujet de ce plat. Vous devrez les affronter, et celui qui perd le combat devra donner son indice au vainqueur. Une fois que vous aurez réuni les indices, vous pourrez commander le plat secret du menu auprès de l'équipe du Trésor Culinaire. Seule la personne qui aura réussi à passer la bonne commande sera reçue à l'examen. Voici votre indice. Observez bien. Comment les habitués de l'établissement dégustent leurs plats Je me rappelle, j'avais regardé la solution. Ok. Donc je dois aller au trésor culinaire ou dans la ville J'ai pas compris ça par contre. Ok, ils sont dans la ville. Il faut absolument que je commande le plat secret. Bonjour! Je suis sûre que t'as un indice sur le plat secret. Je vais te battre et tu vas me le donner. Ou pas? Audrey, l'étudiante, veut se battre. Et elle envoie un ursaring. Très bien. Et il va mourir. Ah, niveau 34 quand même, hein! Ça veut dire quoi camaraderie L'attaque de garde baisse. Après il est mort quand même. Rip Mais il est trop mignon, t'es dur ça Son bébé Mais euh, c'est quoi cet examen où on doit se voler des indices C'est pas du jeu Alors son indice. Et l'indice La pénombre entourée d'escaliers. Ok. Il y a un endroit comme ça dans cette ville Genre, là. Ça alors, un mot est inscrit tout au fond. Les caractères sont à peine visibles, mais vous parvenez à déchiffrer déflagration. Ok. Oh, un club sandwich. puis à côté, il y, y a un des, des dresseurs. Tu tombes bien, j'ai inventé de nouvelles recettes. Super. Je t'encourage à tester ces préparations. Hop, il a rien d'intéressant. Allons voir l'autre. Arène de mesclamora, me voilà. Mais attends, mais elle a 6 ans, non Dis, tu passes l'examen d'Arène Moi aussi, donne-moi un indice sur le plat secret. Allez, s'il te plaît. Cécile, l'étudiante, veut se battre. Et elle envoie un Argouste. Alors Niveau 34 Et elle a deux Pokémon Crofatal. Aïe, ouh Je pense que Crofatal, ça fait la moitié de la vie directe, quoi qu'il arrive, parce que là, c'était pile la moitié de ma vie. Hop, un rond grigou. On va continuer sans changer. Hein. Sérieux j'ai un legging sous mon pantalon et je suis mais congelée. Okay. Hop allez meurs. meurs. Très bien. Alors. Ça serait bien si on pouvait s'échanger les indices comme on échange les Pokémon. Oui, et du coup, tu me le donnes cet indice L'intrus au stand de glace. Ça m'énerve d'avoir perdu. Alors je vais me consoler en mangeant des glaces. Donc au stand de glace. Il est où le stand de glace Oh non. Voilà. Alors, c'est quoi ça Donc des glaces. Là aussi, c'est des glaces. Ah non, c'est des crêpes. Et là, c'est des glaces. Donc l'incru, c'est lui C'est celui qui fait des crêpes Ou est-ce qu'il y a un autre intrus Je sais pas, on verra. Il nous manque encore un challenger. Là. Il n'y aurait pas quelqu'un qui passe l'examen d'arène Dis-moi! Bonjour, monsieur. Et toi, tu passes l'examen d'arène, non? Cool, tu vas me donner un indice. Nope. Il veut se battre. Jules, l'étudiant, envoie un insaut lourdeau. Niveau 34! Et moi, je suis niveau 43, c'est l'inverse? C'est trop bien? Oh non! Il va m'endormir, mon garde voire Ça va. Il va mourir avant. Ne vous inquiétez pas. Et on a battu Jules. J'ai perdu. Est-ce que c'est à moi de doter un indice? Le cri du Pokémon Oiseau Bleu. J'étais trop concentrée à essayer de comprendre ce que ça signifie. C'est pour ça que j'ai perdu. Ok. Donc on a eu les trois indices. On va voir. Euh, je sais pas où il est le restaurant. Ah. Le parce qu'on a quoi On a déflagration, des, des crêpes. On va voir ce qu'il propose comme plat. Vous êtes en train de passer l'examen d'arène, n'est-ce pas Est-ce que vous avez réussi à réunir les indices sur notre plat secret Oui. Que souhaitez-vous commander Des boulettes de riz grillé, du poisson grillé, un steak, une omelette, des œufs au plat. Hein <laughs> Comment disent j'ai Déflagration, le cri d'un oiseau bleu. Et des crêpes <laughs> Je OK Une omelette pour combien de personnes Hein <laughs> Deux Quel cuisson ah, très cuit façon déflagration. Ok. Donc déjà déflagration. On a. Désirez-vous de la garniture Si. Parfait, c'est bien noté. J'aurais eu raison, sans faire exprès. Un plat, on ne peut plus normal. Fichtre. Ok. Euh, là, franchement... Là, ah là, 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 quel est le plat secret du... Donc on veut des boulettes de riz pour deux très cuits. Pourquoi Moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Ah Ok. Au stand de glace en fait il y a un repas euh, boulettes de riz grillées. Mais du coup, euh, que ce soit pour deux et le citron, euh, ça par contre. Je... Est-ce que vous voulez comprendre Est-ce que je cherche Oui, en vrai, moi je veux comprendre. Pourquoi Hop Oh là 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 cette page-là, il veut pas. Ok, très bien. Deuxième indice, donné par Jules. Hein il y a un tapato -s, donc un oiseau bleu, au milieu du, de la ville. Si je vais lui parler, il va dire pour deux. Donc ça donne le pour deux. Ensuite. Donc, déflagration, ça. Ah oui, c'est vrai On devait regarder à côté des plats des clients sur place. Donc, ça, ça me donnera le citron. Donc, des boulettes de riz grillé pour deux. Façon, déflagra... façon déflagration. Je veux du citron. Chef, des boulettes de gr riz grillées pour deux, très cuites, façon déflagration, avec du citron. Tintintin. Parfait, c'est parti. Ah oui, genre les gens ils y... se font tèche. Félicitations, vous avez réussi l'examen d'Arène. Vous avez gagné le droit d'affronter notre champion. Revenez me voir lorsque vous serez prête à combattre. Yeah Je vais aller regarder euh, leur histoire de citron, là. Ça devait être les gens dans le, dans le resto. Très bien, allez. Vous souhaitez affronter notre champion Okuba, qu'on appelle aussi l'agent lambda Oui. Dans ce cas, je vous laisse prendre place sur le terrain de combat. Monsieur Okuba, c'est à vous c'est le monsieur avec sa petite mallette. Bonjour. Je suis Okuba, le champion de l'arène de Mesclamora. Bravo pour ta réussite à l'examen d'arène. Et euh, sache qu'outre les boulettes de riz grillées, les plats sont généralement assez bons. Alors n'hésite pas à demander, à essayer autre chose. Cependant, je crains que ma patronne ne se fâche si nous bavardons trop longtemps. Passons donc au combat si tu le veux bien. Je suis, mais congelée. C'est une horreur. Alors qu'il fait 21. Enfin. Je te prie d'agréer, chère dresseuse, l'expression de ma victoire certaine. Non mais ça va. Okuba, le champion d'arène veut se battre. Et il envoie un dodo à la. Oh mais qu'il est mignon! Mais qu'il est mignon. Vas-y, doucement, tu veux, je suis encore en pleine digestion. Super, il fait dodo. Ah c'est bien, on m'a soigné mes Pokémon. Parfait. Et il envoie souplesse. Aïe Ça va. Rip. Raider. Le dodo à la ennemi et chaos. Un deux seul Donc c'est l'évolution de un solo Il y a combien de pokémon Il y a trois Pokémon. Éclat la magie Regard médusant. Ouh Oh non, il m'a paralysé. Ou à l'autre Hé <laughs> du coup ça l'a paralysé aussi. 1 un, 1 un, un. Je savais même pas qu'il avait ça comme. Euh, comme pouvoir, mon garde-voire. Le 2 sur Lourdeau est KO. Il m'a envoyé un Etouraptor. On va changer de Pokémon, que sinon ça va être un peu relou. Euh, Qu'est-ce qui tape sur les Pokémon de type euh, vol Oui, ma table. On a dit il y a plante, hein, je crois, qui tape sur vol. Il y a électrique, glace et roche. Ok, pas du tout plante. C'est vol qui tape sur c'est ça. Euh, donc on a dit électrique, glace. Eh ben très bien. Ou roche. J'ai pas d'attaque de type roche. Ça va être floconou. Qui va nous geler tout ça. Je suis en difficulté, mais ce n'est rien comparé à la pression du management. Je pense qu'à la fin de ce combat, je. je... Je m'arrêterai, sauf s'il y a des gens qui, qui reviennent peut-être. Mais comme ça, je vais aller faire un gros dodo. Tu te débrouilles bien, me voilà en bien mauvaise posture. Okuba, un peu de nerf, bon sang de bonsoir. J'ai des clients confins, il serait temps de balancer la sauce. Bah oui, parce qu'on a quand même vidé le restaurant euh, pour ce combat. Ah, mais oui, mais c'est pas un Pokémon de type vol, il est hétéracristallisé. À chaque fois, hein. Je n'arrive pas à choisir de favori, alors je vous encourage tous les deux. Eh Tu as entendu? Je n'ai plus le choix. On me pousse à me battre sérieusement. Après, ça va, c'est du normal. Hein. J'ai pas de type combat. Ah si J'avais ma reste qui était de type combat. Floconou utilise Honte Boréale. Mais il tape dur Il va mourir quand même, mais. Rip Et nous avons vaincu Okuba, le champion d'arène. Ouais! Hum, tu m'as fait goûter à la défaite. Eh ouais! Tu as fait, monter force... tu as fait montre d'une force peu commune. J'en suis pantois. Puisque j'ai perdu, je dois te remettre ce badge. Je vais pouvoir acheter des hyperboles. Ce combat m'a donné faim. Il est sûrement l'heure de la pause déjeuner. Que dirais-tu de manger ensemble? Oui, si tu veux. Tu possèdes maintenant 5 badges d'arène. Il te sera donc plus facile d'attraper les Pokémon jusqu'au niveau 45. Et euh, ils t'obéiront. Maintenant que j'y pense, j'ai autre chose à te donner. Quelqu'un d'aussi rayonnant que toi n'en aura sans doute aucune utilité, mais bon. La CT25 façade. Une capacité dont la puissance double lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé. Ah, ok. En tout cas, une chose est sûre à propos de ce restaurant, sa cuisine a du goût. Ne t'en fais pas pour l'addition. En tant qu'adulte, il est de mon devoir de t'inviter. Sur ce, je dois retourner travailler. Si tu veux bien m'excuser. Eh, hey, on a gagné. Tu vas voir que Mendy, elle va pas vouloir se battre. Ça m'a m'agacer. »« Je vois que tu as obtenu un nouveau badge. Toutes mes félicitations. Cayenne me parlait justement d'une dresseuse particulièrement prometteuse. C'est de toi qu'il s'agit, j'imagine. J'ai bien observé ton combat tout à l'heure, et ce qui est sûr, c'est que tu possèdes un talent hors du commun. Continue de m'impressionner, et je pense que tu de, que tu parviendras à atteindre le rang maître. Si tu arrives, si tu y arrives, je crois que tu feras une excellente candidate pour rejoindre la Ligue Pokémon. Ah Mekli, ça y est, mon équipe est prête. J'ai bien observé ton dernier combat d'arène, et y a pas à dire, t'as beaucoup progressé. Maîtresse Menzi, ça faisait longtemps, heureuse de te voir. Euh, que, quoi Pourquoi chef est avec toi, Amekli Oh uh oh, elle est si connue que ça Bah oui, je t'en ai déjà parlé pourtant. Tout le monde la connaît, elle est au-dessus des dresseurs et des dresseuses de rang maître. C'est Alispa, Alisma, notre maîtresse en chef. En effet, je m'occupe bi bien cette fonction, tout en assurant mon rôle de, de présidente de la Ligue. Désolée, hein, je, je lis trop vite. Mais je croyais que vous étiez trop occupé pour vous charger de l'inspection des arènes. Je ne suis pas là pour ça, en fait. Je suis venue car je cherche une dresseuse pleine de talent. Ah, vous parlez d'Amekli C'est déjà une célébrité Par contre, c'est moi qui l'ai vue la première. Vous avez beau être la chef. Vous attendrez votre tour pour devenir son amie. Hé hé, je vois. Il va falloir m'armer de patience, alors. Au fait, j'espère que t'as pas oublié le combat que tu m'as promis, Amekli. Allons vite au terrain de combat. J'en peux, peux plus d'attendre. Une petite seconde. Quelque chose ne va pas J'aimerais volontiers assister à votre combat si cela ne vous dérange pas. Aucun problème pour moi. Ça te convient aussi, Amélie Bah oh oui. Moi, tant qu'on se castagne. Je vous remercie. J'ai hâte de vous voir combattre toutes les deux. Allons-y sans plus tarder. Bon, du coup, c'est à la fin de ce combat que j'irai au dodo. Vu qu'on me laisse pas trop trop le choix. Un petit combat contre Menzi. Laisse-moi t'expliquer les règles une nouvelle fois, Mecly. Si tu arrives à récupérer les badges de toutes les arènes, tu pourras relever le plus grand défi de tous les dresseurs et dresseuses de la région. Maîtresse Menzi veut bien entendu parler de la ligue Pokémon. Elle se trouve au nord-ouest de Messaledo. C'est à cet endroit que les meilleurs dresseurs et dresseuses peuvent obtenir le titre ultime, le rang maître. Si tu réunis les huit badges d'arène, tu pourras passer l'examen de maîtrise. Tu devras alors affronter la plus puissante des examinatrices. Et si t'arrives à la vaincre, tu passeras maîtresse. Et si on faisait un examen blanc pour que tu te fasses une idée de ce que ça donne Allez en garde. Attends un instant. Tes Pokémon m'ont l'air d'être bien fatigués, Amekli. Oh désolé j'étais tellement pressée que j'en ai oublié les bonnes manières. Mais grâce à la chef, tout est fin prêt pour un beau combat. C'est toi, c'est pour de vrai. En garde à mes clés. Je suis sûr qu'il sera aussi mémorable pour toi que pour moi, ce Allez, c'est parti. Alors. Un loup garoc Très bien. Que bonne de t'y proche. C'est pas parce que tu te bats devant la chef qu'il faut paniquer. Relax, Pyrax. Niveau 36. Elle a 4 Pokémon, quand Ne tuez pas, mon garde voir Mon petit bébé. Rip Lugarok. Ensuite, elle envoie un Pommot. Oui, on va prendre Terrestre, qui est de type sol. Parce que Pommot, il est de type électrique. Hop, allez, tire debout. Et il m'a fait perdre 10 points de vie quand même! Un 18ème de mes points de vie? Pourquoi ça l'a pas tapé? Ok, je l'avais juste loupé, très bien. Impressionnante cette capacité! Et cette puissance, tu m'épates! Ensuite. Mucuscule! Euh, ouais mucuscule on a dit il est type O. J'ai pas grand chose sur le type O. Je vais envoyer bah, mon plus gros qui comme ça il mourra peut-être pas. Enfin, après ils mourront pas euh, c'est des tanches en face mais... Ah bah si, bah il craint le, la glace. Donc, Mucuscule, il n'est pas que de type O, hein, euh, clairement. Ah mais non, il est dragon, je suis bête. Flamigator, on va changer de Pokémon. Euh, J'ai pas de type O, voilà. Donc Flamigator, c'est le crocodile. Draco, go Vous avez vu comme elle est forte, chef Je suis en mauvaise posture, ha <laughs> Je le trouve pas très beau, franchement. Si je dois utiliser la cristallisation, c'est maintenant. Je dois briller devant la chef. Mmh. Allez. Oh il est même pas mort en un coup. Je suis un peu triste. Voici ma botte secrète, tu vas réussir à l'encaisser. Oui, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ce n'est pas très efficace. Sérieux, c'est son c'est sa grosse attaque, machin et tout. Ce n'est pas très efficace. Oui. Ok, d'accord. C'est une grosse attaque en deux coups qui m'a Draco. Après, il lui reste un pauvre point de vie. Bah, tu tué mon Draco. Tu paieras pour cet affront. Schuss. Et ça, c'est fait. Tu vas bientôt attirer l'attention de tout le monde, j'en suis sûr. Eh bien. Te voir combattre ainsi face à une dresseuse aussi douée que maîtresse Menzi, je dois dire que ça en valait le coup d'œil. Même la chef a reconnu ton potentiel, t'es vraiment super forte. Il faut que je me reprenne si je veux pas te laisser me distancer. Dès notre première rencontre, j'ai su que t'avais un truc. Un jour ou l'autre, t'atteindras le rang maître, c'est sûr. Et je suis certaine que tout va bien se passer dans les quelques arènes qui te restent. J'en suis aussi convaincue. D'ailleurs, accepte ceci, c'est une sorte d'investissement sur ton avenir. La CT 171, Terra Explosion. Ok. Si le lanceur est terracristallisé, il libère l'énergie de son type terracristal. La capacité utilise l'attaque ou l'attaque spéciale selon ce qui infligera le plus de dégâts. Cette capacité prendra le type terracristal du Pokémon terracristallisé qui l'utilise. Tu verras Mecli. un jour on fera le plus classe des combats jamais vus. Je vais continuer de m'entraîner dur pour être à la hauteur. Et salut. On peut dire qu'elle te soutient comme une véritable amie. Elle a certainement de grands espoirs pour toi. Non, que dis-je Il n'est pas question d'espoir. Elle est déjà sûre de ta valeur. Enfin, il est temps d'y aller. Je vais te raccompagner jusqu'à la reine. Oui, bah oui, quand même. Et eh oh Ben voilà. Le Pokédex a été mis à jour. Et eh ben voilà, et eh ben ça va être le moment pour moi de m'arracher qui a kiné demain matin. Je ne vais pas tarder à aller au dodo. Et du coup, je vais vous dire à demain. Donc vers, euh... vers 10h30, je pense, je suis là. Puis on verra à quoi on joue. Peut-être on fera un sondage. Peut-être on verra. Voilà, voilà Bon, désolé du petit stream. Et du coup, je vous dis bonne nuit, bonne soirée. Et à demain, bye bye